que je n'ai jamais de projet en partant en France pour rencontrer des exilés. Quand je vais en France, moi je rencontre des compatriotes, femmes comme hommes. Bon, ceux dont j'ai le contact, qui les appellent, et puis bon, on essaie de causer, on essaie d'échanger. J'ai rencontré à plusieurs classiques. Ceux même qui ont pris les armes, ceux qui sont battus avec les armes, les exécutants comme les concepteurs, ils sont en Côte d'Ivoire. Et ce problème, chacun va qu'à ses occupations. Voilà, c'est vrai que les premiers jours, les gens ont pu peut-être s'imaginer des choses ou d'autres, mais ça, c'est réglé, c'est fini il y a longtemps. Voilà, les gens rentrent. À l'époque, on a appelé également Gadi Sili deux fois, Escofi, puisque ce sont des gens que je rencontre plus souvent. J'ai pu rencontrer Doumbia Major, bon, qui est là-bas, pu rencontrer. Tibus Kofi à plusieurs reprises. J'ai parlé à Kaye Eric, à Baron Kipré, ancien DG du Brida. Siriki Bakaba qui devait venir me voir avec Tibus Kofi, mais bon, donc Tibus Kofi a rapporté en tout cas l'état d'esprit, à savoir qu'il est prêt à prendre le président par le pied, vraiment pour lui présenter toutes les excuses au cas où il l'aurait blessé par action ou bien par abstention. Et bon, donc, j'ai vraiment rencontré, je dirais, pratiquement une vingtaine. Alors, ce que j'ai noté, c'est qu'ils sont tous pressés. Ils veulent tous rentrer au pays. C'est vrai. J'ai une préoccupation qui revient assez régulièrement, de façon récurrente. Qu'est-ce que je vais faire arriver au pays? Ce n'est plus ce n'est plus comment ma sécurité va être assurée. C'est qu'est-ce que je vais faire au pays? Voilà, ici, j'ai quand même quelques petites possibilité pour joindre les deux bouts. Je suis assuré, je bénéficie de l'assurance ici, j'ai l'allocation, logement, je bénéficie d'un petit statut d'exilé, tout ça. C'est autant de choses qui me rapportent un peu de. Qui me permettent quand même de joindre les deux bouts. Si je rentre au pays, qu'est-ce que je vais faire? Voilà la question principale, la question essentielle et cruciale qui est posée par toutes celles et tous ceux que moi j'ai pu rencontrer ou appeler, avec qui j'ai pu parler. Voilà. Comme je ne suis pas l'État de Côte d'Ivoire, donc je ne peux pas répondre de façon claire à cette question. La personne au niveau de l'État de Côte d'Ivoire qui s'occupe de cette question, je crois que c'est Madame la ministre Kone Marietto, qui peut-être, après que je lui ai donné l'information, parce que je vais la lui donner, il pourra répondre à cette question. Bon, mais dans tous les cas, malgré sa bonne volonté, elle ne pourra donner que ce qu'elle a. Ce qu'elle a d'abord, c'est la sécurité. Qu'elle peut leur garantir à l'emploi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière le RHDP? Qu'est-ce qui justifie la création du RHDP Parti Unifié? Au plan philosophique, au plan social, au plan culturel, qu'est-ce qui justifie la création du RHDP? Qu'est-ce qu'on vise? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vise avec donc la création du RHDP? La note d'orientation, le manifeste. Le manifeste sur quoi? Soit, qu'est-ce que nous disons aux Ivoiriens et aux Ivoiriens quand on leur parle du
du RADP, et puis maintenant, il y a bien sûr les textes qui sont les statuts et la règlement intérieure. Donc, l'élaboration de tous ces textes m'a été confiée en tant que président du comité ad hoc, composé de juristes, un juriste du MFA, enfin un membre du MFA, un membre du PDCI, un membre de l'UDPCI, et puis un membre de l'UPCI. Voilà, donc je coordonne les activités donc, de ce comité. Alors donc, revenant au pays, c'est tout ça, il y a ce travail, c'est vrai, sur lequel nous avons beaucoup avancé, mais bon, qu'il va falloir reprendre là où on l'a laissé, pour aller rapidement, puisque après les élections législatives, il va falloir préparer les autres, et je vous ai dit que les autres, on pourrait les préparer dans le cadre donc, de ce parti unifié. Donc il faut aller très vite. Il y a ça à préparer. Et puis bon, je vous ai dit la réflexion générale sur tout la politique. Voilà. Ah ben bien évidemment, nous avons été instruits par le président. Du présidium, le président du présidium du RHDP, le président Nicolas Bétier, de déposer un avant-projet au plus tard en septembre. Donc il y a déjà quoi ? Il y a un mois, deux mois derrière, en arrière, non ? Ce que nous avons déjà fait. Nous avons déposé un avant-projet. Voilà. Mais nous continuons donc notre travail vraiment pour, en prenant en compte toutes les observations qui ont été faites au fur et à mesure et qui continuent d'arriver, de sorte à avoir des textes qui soient bien affilés au bout du compte. Donc nous avons eu un délai, et le délai c'était 7 ans. Maintenant, pour rendre un texte définitif, bon, bien qu'on ne nous ait pas fixé une ligne d'horizon, mais nous considérons que c'est pratiquement tous les jours qu'on peut nous appeler pour nous demander de déposer.